Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, va-t-elle, Marie-Claire? Pour hein? S'il te plaît, s'il te plaît, va sur le sofa, va sur le sofa. Comme ça, en deux minutes. Tom, pour favor, non, fique à la porte assim. C'est pas encore ça le générique. C'est pas mal quand même. Et je suis un peu fier de mon petit générique. Fait avec mes mimines. Bienvenue. Vous êtes dans la petite fabrique de photographie. C'est déjà le cinquième épisode de cette nouvelle, nouvelle, nouvelle saison. La petite fabrique de photographie, c'est une émission qui avait commencé euh, pendant la pandémie, on va dire. C'était mes lives que je faisais sur Facebook. Et puis ça s'est transformé. Ça s'est appelé la petite, la petite fabrique de photographie. Parce que je trouvais ce nom joli. Et puis parce que ça disait bien ce que. J'essaie de transmettre euh, d'éduquer à, à la pratique de la photographie euh, comment est-ce qu'on fait ça on fait ça de plusieurs manières euh, salut Zetapix la petite fabrique de photographie c'est euh, trois ou quatre parties euh, plutôt trois maintenant parce que je, déjà qu'avec trois parties je fais quasiment une heure et demie donc euh, quatre parties une heure je ne vais pas y arriver mais je vais quand même essayer de faire une heure on va voir euh, donc première partie nous allons voir un photographe euh, que j'aime énormément, qui s'appelle Sergio Larin. Hein, sur, dans cette première partie, on analyse des photographies euh, et des photographes iconiques de légende, et plus tard de, de, des photographes contemporains qui travaillent, euh, même si euh, aujourd'hui ça va vraiment être euh, un photographe iconique qui n'est plus là malheureusement, mais je, 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 je voudrais avoir euh, plus de photographes qui soient euh, contemporains, soit sous forme d'interview, soit euh, comme ça va être le cas aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas faire d'interview de Sergio Larin, pardon, euh, pardon à la famille, je euh... <laughs> n'ai pas de fil du coup, hein? soit euh, par des citations euh, sur leur pratique. Deuxième partie, un conseil qui vient de moi, euh, où je vous montre aussi des photos, euh, de, là aussi d'autres photographes, éventuellement les miennes, mais aujourd'hui ce sera d'autres photographes. Un conseil pour votre pratique de la photographie. Alors, je, 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 c'est souvent de la photographie de rue, mais ça peut être assez général sur la pratique photographique. Et euh, salut Olivia, merci pour le générique. Je me suis arraché. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire Donc, voilà pour cette deuxième partie. On conclut cette deuxième partie par un, un échange questions-réponses. C'est ça qui, qui prend aussi un petit peu de temps. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur ce qu'on a vu ou sur moi, ou sur la photographie en général, tout ce que vous voulez en fait. Hein et, euh, et donc voilà, c'est un échange comme ça, donc j'espère à peu près au milieu. Euh, et la troisième partie, donc maintenant c'est une lecture de portfolio, euh, je, entre les deux, je vais aussi un petit peu vous parler d'un du, du, euh, bah programme que je, que, que je propose. Et euh, voilà, parfois, enfin je ne l'ai fait qu'une fois, mais c'est de l'actualité sur, la, sur la, la photographie artistique, mais euh, je, bon, on va dire que c'est souvent mon actualité, parce que bah c'est aussi l'occasion pour moi d'en parler. Il y a des gens qui ont des questions, et euh, donc le, il y a, le mois dernier je vous ai parlé de l'étincelle, maintenant il y a des gens qui sont dans le programme l'étincelle, donc euh, euh, voilà, donc euh, hein, on a ça, et on termine par une lecture de portfolio. Je réalise que je n'ai pas du tout préparé cette lecture de portfolio. De qui est-ce que j'allais... Euh, via le, le portfolio, enfin je n'ai pas préparé le lien, même si je sais euh, où le retrouver. Et euh, donc si vous voulez que je lise votre portfolio, alors peut-être pas cette fois-ci, mais euh, pour les prochaines fois, mettez un petit lien vers votre site internet, euh, votre compte Instagram, ou ce que vous voulez, euh, Flickr ou autre. Hein, s'il y a des euh, personnes de ma génération, <laughs> photographe de ma génération, Flickr, eh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Flickr. Euh... Je vais dire bonjour à ceux qui sont euh, dans le chat, sur Facebook et sur euh, YouTube. Si c'est la première fois que vous, vous arrivez ici, je suis Gennaro Bardi, je suis photographe, professionnel depuis une douzaine d'années. Et, euh, et donc depuis 2020, euh, j'éduque beaucoup à la photographie sur Internet. Alors voilà, on va dire que c'est quand même une, une grosse partie de mes activités aujourd'hui. Euh, et puis après, je fais aussi des ateliers, des voyages photo. Euh, je fais aussi de la commande, toujours un petit peu, un petit peu moins maintenant. Je travaillais beaucoup pour les agences de voyage et des, et des magazines de voyage pendant de nombreuses années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vis à Salvador, au Brésil. Donc euh, si vous me voyez en train de suer, bon, un t-shirt noir, normalement, vous n'allez pas le voir. Mais euh, il commence à faire très chaud, c'est le début de l'été. Et euh, ça monte dans les températures. J'ai coupé, j'ai pas la clim dans ce bureau, donc malheureusement. Si vous me voyez en train de suer, c'est parce que je suis au Brésil. Dans un pays gorgé de soleil. Je vais dire bonjour à ceux qui sont... Euh, donc c'est diffusé sur YouTube et sur Facebook. Donc je regarde d'un côté, je regarde de l'autre, le, les, les deux chats. Et euh, je vais dire bonjour aux habitués, souvent, sur Facebook. C'était là que je, je diffusais en premier. Euh, Marie, salut Marie, salut Jocelyne. Salut Dan La Palme du Lude. Là, je pense que c'est la, la première fois que je te vois, euh, Dan La Palme du Lude. Essa, Sylvie, salut Michel, salut Jacques. Salut, au Québec, on gèle. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et sur euh, YouTube, il commence à y avoir quelques habitués sur YouTube. Zetapix, bienvenue. Olivia, bienvenue à nouveau. Euh, Monsieur Malzik, je crois que c'est Benoît. Je ne sais plus. Monsieur Malzik, très bon générique. Ouais, ouais, je, euh, je, je suis assez content. Bon, puis j'ai mis mes photos pour le coup. Donc voilà, euh, bon, ça m'a fait plaisir. Bon, je, je suis allé vite, hein. je n'ai pas fait une sélection. Euh, ça peut être encore un peu mieux, mais c'est hein, c'est sympa de commencer comme ça avec de l'énergie parce que bon c'est c'est un live aussi où euh, bah, je fais tout tout seul donc euh, hein, parfois il y a des transitions qui sont un peu lardesuses où je suis voilà c'est c'est les les avantages euh, du direct c'est vous me pouvez poser toutes les questions et puis on, on, on a cet échange il y a cette connexion qui peut être qui peut être sympathique pour ceux qui restent et puis euh, si jamais vous commencez à regarder et que vous, vous dites oh là là c'est trop long euh, ben après, plus tard, dans les semaines qui viendront, sur la chaîne YouTube, ben je mets euh, les meilleurs moments ou euh, certaines parties, j'en je, fais des vidéos quand ça le mérite et quand ça fonctionne et quand j'ai le temps de faire des montages. Bon, je ne le fais pas à chaque fois, mais bon, j'en je, je, ai cinq ou six là, à monter et euh, je, 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 je vais en avoir deux autres euh, à ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon. Salut Lionel, bienvenue. Pas mal de monde de l'étincelle, ça fait plaisir. Euh, une première pour Dan. Salut Camille. Euh, alors si Camille, t'as loupé le générique. Hey, je vous le repasse. Euh, avant la première partie, hey, c'est juste passé la première fois, je vous le remets. Hein? Je, juste pour le plaisir. Comment on fait Un truc comme ça, regarde. La petite fabrique de photographie cinquième épisode c'est parti première partie nous allons voir un photographe qui est extraordinaire à beaucoup d'égards et, euh, et nous partageons quelque chose avec lui euh, pour, pour les habitués ça m'arrive de, de, de dire que la photographie c'est de la méditation bon euh, je suis pas spécialement zen bouddhiste ni bouddhiste mais disons que fin, voilà, c est, c est, ça va être une thématique aujourd'hui parce que sergio larin sergio larin c'est un photographe qui euh, qui partageait avec Henri Cartier-Bresson cette... cette, euh, euh, hein, cette, cette euh, J'allais dire amour ou passion, je ne sais pas si c'est un amour ou une passion, mais en tout cas, ce, euh, cet intérêt pour la méditation et pour, cette, euh, hein, ou pour certaines formes de bouddhisme. Après, il y a des bouddhismes modernes, hein, on n'est pas obligé d'être... Ce n'est pas spécifiquement une religion le bouddhisme, hein, c'est plus une pratique spirituelle. Mais bon, sans rentrer dans ce débat-là, voilà, Sergio Larin... Photographe, vous allez voir les photos. Euh, si vous ne connaissez pas, c'est. Enfin voilà, moi je. Je, alors que je suis capable de vous montrer les vidéos et juste pleurer tellement c'est beau, euh, bon, pour mon goût personnel. Hein, donc euh, euh, voilà, on va commencer avec Sergio Larin, je, je, vais, je vais simplement euh, préparer euh, hein, ce, ce que j'ai à préparer sur le, sur le sujet. La petite, euh, le petit diaporama, excusez-moi. Et on y va, Sergio Larrain. Alors, attendez, c'est ici. Voilà. Et donc, Sergio Larin, donc, hein, cinq citations ou textes. Vous, vous allez voir, le, le, la cinquième citation n'est pas une citation, ce sont des textes. Euh, ce sont même des lettres. Ce sont des lettres à Henri Cartier-Bresson. Et, euh, et donc je vous lis ces citations ou ces textes euh, face caméra, on va dire, et ensuite je, vous, je, je commente ces citations ou ces textes en vous montrant des photos. Si vous arrivez au milieu, enfin voilà, pour vous situer un petit peu, euh, comment est-ce que, est que ça fonctionne Et ouais, Sylvie, merci à toi, Sylvie, c'est toi qui me l'as conseillé. Et je, je, tu tu, tu m'as rappelé Serge Larin, et enfin voilà, c'est devenu une évidence. Je, 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 je n'ai plus pensé qu'à lui. Euh, c'est parti, Serge Larin. Cette fois, c'est la bonne. Sergio Larin. Sergio Larin naît en 1931 à Santiago du Chili. En 1949, il part étudier aux États-Unis, mais il renonce finalement en 1951 pour se consacrer à la photographie. Il parcourt notamment l'Europe et le Moyen-Orient, puis démarre une œuvre conséquente à Santiago et à Valparaiso. Je vous recommande son livre Valparaiso. À l'occasion d'une bourse du British Council à Londres il contacte magnum photo qui lui confie un nombre important de reportages pour différentes publications. son travail entre dans les collections du moma à new york et il cesse progressivement de travailler pour la presse et décide de vivre à la campagne pour pratiquer la méditation et le dessin jusqu'à sa disparition en, en jusqu'à sa disparition en 2012 à oval Ovali, pardon, au chili. Première citation de Sergio Lara. Retirez le voile de l'illusion de la réalité. La photographie est une promenade seule dans l'univers. Le monde conventionnel voile notre vision. Pour la photographie, vous devez trouver un moyen de lever le voile. J'aime ce regard profond et philosophique de Serge Larin. Pour moi, la photographie est un outil pour approfondir notre compréhension de la réalité. La photographie m'aide à être plus attentif, à remarquer les choses ou ce qui se passe dans le monde, plutôt que d'être simplement quelqu'un qui capture ce qu'il a devant lui. Je crois que le voile que l'on met sur le monde, celui dont parle Serge Larin, ce sont nos pensées, toujours fuyantes ou stressées. Il est difficile d'arrêter ce flux de pensée au quotidien. La photo me permet de lever ce voile, c'est-à-dire d'être présent et de voir vraiment les choses et les gens pour ce qu'ils sont. La photographie dans la rue, dans l'espace public, peut être une forme de méditation en marchant. Je pense aussi que la photographie est une manière de s'exprimer et de se découvrir. Plus je fais de photos, plus j'en apprends sur ma propre personnalité. Deuxième citation de Serge Larin libérez-vous des conventions Une bonne image est créée par un état de grâce. La grâce s'exprime lorsqu'elle s'est affranchie des conventions, libre comme un enfant dans sa découverte précoce de la réalité. le jeu est alors d'organiser le rectangle. Sergio Larin nous propose ici de rester un débutant. Je crois comme lui que l'on est apprenti toute sa vie, et c'est le procédé d'apprentissage permanent qui nous permet de nous dépasser et de trouver ces moments de grâce. Je me souviens quand j'ai pris un appareil photo pour la première fois, et peut-être que vous en souvenez vous aussi. Je me souviens comment j'étais excité de pouvoir figer une scène et simplement trouver ça beau. C'est cet émerveillement que je retrouve dans toute nouvelle photographie, même si je sais maintenant que j'en trouverai rarement une qui sera pleinement satisfaisante. Quand on apprend la photographie, avec de l'expérience, on croit savoir on devient cet expert qui sait tout sur tout, et je suis le premier concerné. Je voudrais ici vous proposer de laisser la photographie être un voyage personnel, joyeux, enfantin. Vous n'avez pas besoin d'écouter tout ce que l'on vous dit sur la photographie, parce qu'en vérité, aucune règle n'existe. N'écoutez que votre voix intérieure. Troisième citation. Le jeu de la photographie est de lâcher prise, de laisser l'aventure commencer, comme un voilier qui baisse les voiles. Chaque fois que vous sortez, que vous descendez dans la rue, c'est une opportunité pour vous d'explorer la réalité avec une curiosité et de créer des images qui vous passionnent. Parfois, je pars photographier avec une intention, avec un sujet, peut-être que c'est un événement. Mais ce que je vous propose ici, et ce que Sergio Larin nous propose, c'est de se laisser guider par quelque chose de très instinctif, émotionnel, dans nos photos. L'analyse, la rigueur, c'est bon pour le développement des photos, pour l'édition, pour la construction d'une narration. Ne faisons pas trop de plans pour nos photos. Sergio Larin nous propose ici de lâcher prise pour ne pas rentrer dans un moule. Si vous voulez une photographie personnelle, il faudra sûrement aller chercher une nouvelle manière de faire, qui vous soit propre. Quand j'explore quelque chose de nouveau, on me dit souvent, euh, ah, on ne fait pas comme ça. Hein ce que je fais, ça n'a rien de commun. Mais oui, mais c'est ça, être original. Et donc, ce que Sergio Larin, ce que Sergio Larin nous propose ici, c'est de lâcher les voiles et de se laisser porter par le courant. Quatrième citation de Serge Jolard. Ne forcez pas les choses. Ne jamais forcer, sinon l'image perdrait de sa poésie. Suivez votre propre goût et rien d'autre. Vous êtes la vie et la vie est ce que vous choisissez. Ce que vous n'aimez pas, ne le regardez pas. Ce n'est pas bon pour vous. Vous êtes le seul critère, mais regardez toujours tout le monde autour de vous. On photographie qui on est. La photographie peut être un voyage intérieur pour mieux se connaître. Serge Larin me dit que je suis le seul critère. Il complète tout de suite cette phrase en me proposant de me tourner vers l'extérieur. La photographie est un voyage intérieur, une découverte de sa propre personnalité et en même temps tournée vers le monde et vers les autres. La photographie n'est qu'un autre outil pour profiter de la vie. Photographiez qui vous êtes. Cinquième, une citation qui n'en est pas une, c'est un texte. Hein, sont des extraits de lettres à Henri Cartier-Bresson. Sage ai dit ainsi J'aime la photographie en tant qu'art visuel, comme un peintre aime la peinture, et j'aime la pratiquer de cette façon. Le travail pour la vente ou euh, qu'il soit facile à vendre est nouveau pour moi. C'est comme faire des affiches pour un peintre. J'ai l'impression de perdre mon temps. Une bonne photographie est difficile à faire et prend beaucoup de temps. Dans une autre lettre, il dit J'essaie de ne faire que le travail qui me tient vraiment à cœur. C'est le seul moyen de me maintenir en vie, photographiquement, et je prends tout le temps dont j'ai besoin. Je me maintiens dans une paix lente, avec beaucoup de temps pour moi pour faire d'autres choses, et voir comment la photographie se développe, si elle continue à se développer. Je fais ce que je veux, comme je veux. Je sens que la précipitation du journalisme, être prêt à sauter sur n'importe quelle histoire tout le temps, détruit mon amour et ma concentration pour le travail. Si vous avez un travail, considérez cela comme une bénédiction. Ça veut dire que la photographie est une passion. Si vous ne dépendez pas de la photographie pour gagner votre vie, vous n'avez pas besoin de faire des photos que vous ne voulez pas faire. Je connais beaucoup de d'amis qui sont des photographes professionnels, commerciaux de mariage ou que sais-je, de voyage peut-être, et je me sens concerné ici, qui sont tellement épuisés par leur travail commercial qu'ils n'ont plus d'énergie ni de passion pour leurs projets personnels. Personnellement, même quand je consacre tout mon temps à l'éducation, à la photographie ou à l'éducation artistique, comme j'essaie de le faire, et une pratique de la photo que j'adore, je me retrouve à beaucoup moins photographier comme je le voudrais. J'écris ces lives notamment. J'essaie de le faire avec ce qui se présente à moi. Ce sont souvent mes enfants, mais vraiment avec tout ce que je peux et tout ce qui est autour de moi. Ça conclut notre première partie de la petite fabrique de photographie. Je regarde un petit peu en termes de timing. Où est-ce que j'en suis Ah, oh, ça va. Avec l'introduction, ça fait un quart d'heure. Salut Catherine. Décidément, les Sables d'Olonne, il, il, il y a une communauté de gens, une communauté de photographes. Patricia, je te soupçonne d'être un, un petit peu responsable de ça. Salut Guillaume. Je crois que c'est la première fois que je te vois, Guillaume, ici. Salut Gabi. Salut Stéphanie, oui, ah yes, Je crois que tu es déjà venue. N'aime pas, ne le regarde pas, ça ne sert à rien. Alors, j'ai je, 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 pas trop commenté les photos de Sage Larin. Je vous ai montré, mais c'est, je... c'est-à-dire que, alors c'est toujours cet exercice difficile, hein, Mais on montre la carrière d'un photographe et je montre une quinzaine, là une trentaine de photos. C'est à la fois très peu, donc, mais elles sont tellement fortes. Mais voilà, faut, faut bien avoir conscience hein, que ce sont des travaux très différents, et que Bon, J'essaie d'avoir une certaine unité dans, dans, dans ce que je montre. Mais euh, voilà, est, comment est-ce qu'on est qu va se souvenir de nous si on se souvient de notre photographie un jour avec une quinzaine de photos hein, Donc ça, ça vous dit à quel point c'est difficile de trouver une bonne photo qui rentre dans les 15. Ouais, ça, je la Vraiment, merci Sylvie de, de, de m'avoir renvoyé vers lui. Vous allez voir que la deuxième partie, le, le, les conseils que je vais vous donner. Euh, vont, être, euh, vont être liés évidemment à, cette, euh, à ce photographe euh, méditatif hein, ou vraiment euh, tourné vers ce, ce, ce monde intérieur et cet, cet, cet aspect hein, euh, présent et méditatif de, de la photographie. En tout cas, quand, quand, quand on la pratique comme ça, je la. La deuxième partie, je vais vous proposer, euh, je vais vous proposer trois exercices. Excusez-moi, je vois les commentaires en même temps quand, quand je suis là. Avant de commencer, Nicolas, je ne connaissais pas Sergio Larin. Merci pour cette belle découverte. C'est extraordinaire, Nicolas. Vraiment, son livre Valparaiso, c'est à, à tomber par terre. C'est vraiment. C'est une photographie transcendantale. Quoi. Enfin, parlons d'être mystique, mais avec Sergio Larin, c'est quasiment impossible de. Ah, je, je, je laisse aller moi. mon amour pour la philosophie, mais. Ah, la, la... La pratique philosophique de, de, de la photographie de Serge Larin me permet ça. Donc c est, c est... Mais ces photographies parlent d'elles-mêmes. Hein, même si, 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 je, si on oublie les textes que je vous propose, c'est vraiment fabuleux. On le trouve encore, Valparaiso, oui, je pense. Alors, oui, C'est un livre très connu, l'histoire de la photographie. Je ne sais pas si c'est une question, Stéphane, mais Valparaiso, je pense qu'il est réédité quand il est épuisé. Je ne peux pas imaginer que l'éditeur de Valparaiso euh, ne fasse pas une nouvelle édition. C'est un livre qui se, qui se vendra toujours. Un livre majeur de l'histoire de la photographie. Euh... Deuxième partie, je vais vous proposer trois exercices qui vont vous permettre de travailler et de progresser dans votre photographie sans votre appareil photo. C'est quand même pas mal ça. Hein Notamment pour les gens de l'étincelle. Mais euh, pourquoi pas pour tout le monde, pour tous ceux qui euh, regardent euh, ce, ces ateliers en direct ou ces vidéos. Hein, voilà, ça peut être intéressant. Euh... Donc c'est parti. Alors je vous ai préparé euh, deux petits diaporamas de deux photographes qui pour moi sont cohérents. Euh... Alors comme il y a trois exercices que je vous propose pour progresser sans votre appareil photo. Eh bien, entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième, je vais vous montrer les diaporamas sans parler par-dessus. Euh, ça, c'est un petit peu, en fait, parce que je, je, je tourne ces ateliers en direct, aussi pour pouvoir les monter derrière en vidéo. Et euh, d'avoir les photos en même temps, bah, ce n'est pas hyper pratique. Je préfère décider quand j'ai les photos que euh, de les avoir obligatoirement sur ce que je tourne. Voilà, Donc, je, vous savez tout. Donc, vous allez voir un petit peu plus ma gueule, mais euh, voilà, sachez que... Je, enfin, je, pardon si c'est. Euh, si, mais donc, entre les différents exercices, je vous montre les, euh, les photos que je vous ai préparées. Et d'ailleurs, je vais les préparer tout de suite. Voilà. Hein? C'est parti. Deuxième partie de la petite fabrique de photographie. Trois exercices pour vous entraîner, même sans votre appareil. C'est quand même pas mal! trois exercices pour vous entraîner même sans votre appareil photo. On veut tous progresser en photographie. Je crois que nous sommes des apprentis toute notre vie. Et vous voyez ici euh, que je reprends des éléments que je commentais pour, euh, pour Serge de Larin, mais je crois vraiment que nous sommes des apprentis toute notre vie en photographie. Et c'est ce procédé d'apprentissage permanent qui me permet d'attendre qui nous permet d'atteindre une grande maîtrise dans notre photographie et une photographie qui soit plus personnelle. Mais vous pensez peut-être, je peux pratiquer euh, la musique ou écrire de la musique, écrire des chansons, pratiquer l'écriture où je veux et quand je veux. Vous pouvez peut-être penser aux chefs en cuisine qui ont trois repas par jour pour se développer et euh, montrer leurs compétences. Je, je dis ça, je vis avec une chef, hein, donc. Euh je me dis toujours, bah oui, mais c'est plus facile d'avoir un restaurant qu'une galerie photo, parce que tout le monde bouffe. Alors que les gens qui vont à la galerie photo, bah, c'est beaucoup des photographes, et il n'y a pas beaucoup de monde. Mais hein, vous voyez ce que je veux dire. On se dit toujours, les autres ont plus d'occasions. Alors que nous, photographes, il nous faut quelque chose à photographier. Hein, c'est une pratique qui demande plus de temps, qui demanderait plus de temps. Et donc les progrès seraient plus espacés. Nous allons voir aujourd'hui trois exercices tout simples que vous pouvez pratiquer partout, tout le temps, qui vous permettront de devenir un ou une meilleure photographe, parce qu'ils vous permettront d'entraîner votre regard. En photographie, on fait passer le monde en trois dimensions et en mouvement constant, en une photographie qu'on essaie d'être intéressante, qui elle est en deux dimensions fixes, avec des effets de planéité, de focus, hein, ce n'est pas quelque chose de naturel pour notre cerveau. Si vous entraînez régulièrement votre regard, vous allez voir plus de potentiel de photos partout, tout le temps. Et vous pourrez faire cela en bas de chez vous, dans la rue, dans le métro, dans le bus, en allant chercher le pain, même si vous n'avez pas d'appareil avec vous. Le premier exercice que je vous propose consiste à... Arrêtez votre flux de pensée. Vous enlevez les écouteurs, votre, dernière, euh, votre dernier podcast, euh, la musique que vous écoutez, vous vous arrêtez vous observez. Je vous conseille de regarder, bien sûr, mais aussi d'écouter en même temps, hein, de, mobi de mobiliser toute votre attention sur ce qui est autour, autour de vous. Je crois que l'on voit mieux quand les cinq sens sont en action. Où que vous soyez, observez le rythme la démarche de ceux que vous croisez. Regardez les scènes, ce qui est en train de se jouer autour de vous. Est-ce que c'est commun et naturel Ou est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial, quelque part, avec quelqu'un Comment est-ce que les gens sont habillés Est-ce que vous pouvez voir un élément, un détail qui vous indique quelque chose sur la personnalité ou le métier de cette personne Vous pouvez jouer à ce jeu des écrivains qui savent créer un personnage intéressant avec une histoire, une motivation et une intention avec toutes les personnes qu'ils croisent. Ce premier exercice consiste à s'arrêter et observer, à être attentif à votre environnement. Arrêtez de disqualifier des photos juste parce que vous connaissez cet endroit parce que vous n'avez pas pris le temps de regarder. Une photographie, c'est une manière de voir des choses banales L'esthétique a pour fonction de nous faire voir des choses que nous croisons tous les jours sans vraiment les voir, et de les voir de manière intéressante. Et si vous faites cet exercice et que vous êtes frustré parce que vous n'avez pas d'appareil photo et que vous vous dites Ah mince, j'ai loupé une bonne photo, hein, vous avez vu quelque chose de beau, dites-vous que l'expérience est plus importante que la photo. De toute façon, même avec un appareil, il faut apprendre à se détacher des moments qui passent sans avoir pu les capturer parce que c'est beaucoup trop rare d'arriver à bien les capturer hein, et d'arriver à en faire une photo intéressante. Et puis, vous pouvez commencer à avoir un appareil photo tout le temps avec vous ou utiliser votre téléphone si vous n'avez que ça. Le hein. téléphone, c'est un très bon moyen de capturer ces moments que vous observez. Je vais vous montrer ici quelques photos de William Helston, qui est connu pour avoir fait une photographie. Du banal et du quotidien. Je ne vais pas forcément les commenter, je ne suis pas un grand expert de, de William Eggleston, euh, si ce n'est de dire que c'est un, un photographe qui a popularisé euh, sur la photographie artistique euh, l'utilisation de la couleur. Et c'est un photographe euh, voilà, qui, qui transforme le. Le quotidien, les choses du quotidien en une photographie intéressante. Et euh... Salut Denis Baudin. Ah non, c'est Denis Baudin qui dit bonjour à mon ami du Québec. Alors, après, on aime ou on n'aime pas Yellowstone. Hein. Je vous montre ici des photos que je trouve saisissantes, que je trouve intéressantes. Elles sont aussi marquées par l'époque dans laquelle elles ont été prises, mais cette pratique telle que je vous la montre est tout à fait possible dans votre quotidien aujourd'hui. Le deuxième photographe que je vous montrerai à l'issue du deuxième exercice, je m'arrête juste sur cette photo, c'est vraiment une photo que je trouve extraordinaire. Une photo qui m'obsède même, ce rouge et cette, cette lampe, totalement anodine et en même temps totalement fascinante. Le photographe que je montrerai après le deuxième exercice est Gary Vinogrand. Il y a peut-être à avoir une transition euh, sans que je maîtrise bien à quel moment on passe à Gary Vinogrand, où On sera plus sur une photographie de personnes et de scènes euh, telles que je voulais également suggérer. Mais là, je, je voulais aussi vous montrer euh, hein, des objets ou euh, des scènes qui, qui n'ont pas forcément de personnages. J'ai essayé de refaire cette photo euh, dans un avion. Alors, déjà, on n'a plus des cocktails comme ça dans les avions. Et on n'a plus cette qualité hein, de, de service dans les avions aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est idiot. Juste une main avec un cocktail et, et, et une fenêtre, moi je, je trouve ça extraordinaire. Voilà. William Egelstone. Je me compte que c'est un peu long si je parle pas par-dessus, mais c'est pas grave. Désolé pour le retard. Et Michael, ça ne va pas. Hein. Tu n'es pas obligé de crier dans les commentaires en écrivant en majuscule. C'est un photographe connu pour ses couleurs et des scènes très ordinaires. Tout à fait, Mickaël. Deuxième exercice que je vous propose. Deuxième exercice. Apprenez à lire une scène à lire ce qui se passe, lire les gens et voir le passage du temps. Mettez-vous dans un coin de rue où vous avez du passage et observez le passage du temps. Prenez une scène ou un personnage et demandez-vous quel est le moment qui est le plus intéressant. Qu'est-ce qui représente le mieux ce mouvement Souvent les gens sont en mouvement. Quelqu'un qui monte dans un train par exemple, est-ce que c'est quand il marche sur le quai est-ce que c'est quand il pose le premier pied sur une marche Je n'ai pas forcément la réponse. Posez-vous cette question. Le monde est en mouvement permanent, c'est même probablement ce qui le caractérise le mieux. La photographie suggère le mouvement et l'évoque pour son spectateur. On voit souvent les choses sur une photo par rapport au mouvement qu'elle représente. Mais bien sûr, une image est fixe. Alors, vous devez trouver quelle est la meilleure image fixe pour représenter un mouvement. Ça paraît évident hein, quand on pose la question comme ça, mais chaque mouvement, quel qu'il soit, a un pic et probablement une vallée. Des moments qui sont forts en photographie et d'autres qui nous parlent un petit peu moins bien. Même dans un mouvement qui peut paraître totalement banal, quelqu'un qui marche, vous pouvez observer que certaines positions des pieds ou des jambes fonctionnent, d'autres un petit peu moins bien ou beaucoup moins bien. Ça renvoie un petit peu... C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça renvoie au concept d'instant décisif popularisé par Henri Cartier-Bresson, qui est fondamental d'une certaine manière en photographie, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a d'autres paramètres qui entrent dans la création d'une photo qui soit captivante. Mais vous pouvez apprendre à reconnaître ces points de bascule dans chaque mouvement, dans ces pics, dans ces vallées, que chacun des mouvements, de chacun des mouvements que vous observez. En observant ça, vous serez prêt à déclencher au bon moment la prochaine fois, quand vous aurez un appareil photo avec vous ou quand vous serez à la bonne distance pour capturer ce mouvement. Quelques photos de Gary Vinogrant, qui est le photographe qui m'a. Euh son exposition euh, m'a botté le cul. Euh, son exposition euh, noir et blanc à la MEP, je pense il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, dizaine d'années peut-être. Ça m'a vraiment botté le cul pour aller faire de la photo de rue et, 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 et me passionner pour, pour New York aussi un petit peu. C'est une, une époque où j'allais beaucoup à New York. Et, euh, et voilà, regardez cette, cette capacité qu'il a à, à trouver un instant qui soit intéressant en photographie. Et, Garvin Grant a aussi cette qualité que je conseille beaucoup dans mes formations, où il déclenche et il réfléchit après, on va dire. Hein, c'est vraiment euh, quelqu'un qui déclenchait beaucoup et qui avait une curiosité euh, insatiable. Hein, il disait comme ça, euh, je, je veux voir ce que ça donne en photographie. Et, euh, mais il savait aussi qu'une photographie, pour qu'elle soit bonne, c'est très difficile. Hein. Trouver ce bon moment, c'est très subtil. Donc vous pouvez vraiment travailler. Par l'observation, essayez d'identifier les bons moments. Si vous avez un appareil, c'est encore mieux. Mais vous pouvez travailler votre regard et votre observation, même quand vous n'avez pas d'appareil. Gary Vinogrand je vous invite également à un petit autoportrait de, de, de Vinogrand qui est pas souvent présenté, et c'est la, la dernière image. Troisième exercice, pour travailler son regard et travailler, progresser en photographie sans appareil photo. Troisième exercice, développer votre créativité et anticiper des photos. Je vais vous proposer de simplement noter dans un carnet des idées de photographie. Vous allez voir qu'il est possible de prévisualiser, d'imaginer des photos aussi complexes soient-elles. Vous pouvez composer, dessiner des schémas ou simplement noter des idées de photos que vous pouvez décrire. Vous pouvez également écrire des idées, des, des concepts que vous pourrez expliquer par un seul mot ou par une petite phrase. Puis vous demandez quelle serait la meilleure manière de retranscrire ce concept visuellement. Vous verrez que les photos que vous notez, les concepts qui vous intéressent, que vous allez collecter dans, dans, dans ce carnet, vont apparaître comme par magie. Ce n'est pas vraiment de la magie. Mais elles vont apparaître uniquement parce que vous y ferez plus attention. Notre pensée est sélective. Vous pouvez décider de ce que vous voulez voir. Nos actions dépendent des objectifs que nous nous fixons dans toutes les étapes de notre vie, pas que dans la photographie. Vous pouvez vous fixer des objectifs de photographie en étant le plus spécifique possible dans votre carnet. Mais quand vous aurez noté les photos dont vous avez envie, ne croyez pas qu'elles vont apparaître par l'opération du Saint-Esprit. Je vous parlais de magie, mais ce n'est pas vraiment de la magie. Chaque photo que vous noterez doit ensuite avoir une conséquence dans vos actions. Vous devez vous mettre à la recherche de cette photo ou dans sa production, parce que certaines photos méritent d'être produites et vous verrez que si vous pratiquez les deux premiers exercices si vous pratiquez les deux premiers exercices que je vous ai proposés si vous les pratiquez régulièrement vous arrêtez vous observez et vous observez le passage du temps les mouvements vous allez identifier les meilleurs mouvements les meilleures manières de les représenter alors vous pourrez transformer vos objectifs de photo en réalité beaucoup plus souvent que vous ne le pensez Alors, je n'ai pas de troisième diaporama pour euh, ce troisième exercice. Hein, C'était les, trois, les trois exercices. La photo Galston en cabriolet bleu avec le bras plié fait la couve d'autofoto incroyable. Autofoto, je ne connais pas. Euh, avec l'étincelle, j'ai commencé à travailler le regard. Je vois les trucs que je ne voyais pas. Et ben, C'est exactement pour ça que je fais le programme l'étincelle. Alors, si vous avez ici que c'est la première fois et que vous voudriez faire le programme l'étincelle, vous allez sur l'étincelle, sur Internet, le lien l'étincelle, l e t i n c e 2 -L -E, point, vera, point, Alors, Ça a commencé il y a un mois, c'est un programme sur trois mois, mais euh, techniquement, si vous voulez commencer maintenant et euh, bah, commencer le mois prochain, on va dire, euh, début, euh, on sera en, euh, début décembre, dans pas longtemps, ben vous ferez décembre, janvier, février. Et puis le troisième mois, vous ne serez probablement pas nombreux, parce que vous n'allez pas nombreux à vous, à vous inscrire avec un mois de décalage. Mais euh, hein, vous avez cette possibilité-là, si vous le voulez. Simplement, dans les, euh, dans les exercices, vous mettrez à quel exercice vous répondez. Donc, ça, c'est tout à fait une possibilité pour l'étincelle, si jamais, si jamais il y a des curieux. Et donc, ouais, l'étincelle, ben ouais, c'est euh, la photographie, est une formation à la photographie par la pratique, par des exercices. Et puis par l'analyse de photos, hein, ce qu'on appelle une pratique délibérée. Vous avez euh, une description du programme L'étincelle sur cette page dont je vous ai parlé. L'étincelle.vera.news. Je ne sais pas si je vous ai complété l'adresse. L'étincelle.vera.news. Voilà. Sinon, vous le demandez en commentaire, il y a les copains qui vont, qui vont vous donner le lien. Euh, troisième partie, question-réponse, échange. Je prends 5% de commission. mais Aucun problème, bien sûr. Si des gens qui viennent de ta part, Mickaël, aucun souci. Questions, réponses Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu, sur... Euh, hein, je, les, les prochaines fois, c'est promis, je, je vais revenir à, une, à, une, à des conseils sur une pratique qui soit plus sur des éléments euh, un peu plus populaires, euh, sur des éléments de logiciel, par exemple, sur le développement. Je pense faire... Euh, hein, euh, des, comme ça, sur le développement, sur Lightroom. Hein, mais, un petit quart d'heure sur quelques conseils bien ciblés sur pour améliorer votre développement plus destiné à des débutants hein. si vous avez de l'expérience ça va pas vous êtes très utile mais pour la prochaine fois la semaine prochaine je reviendrai à les choses un petit peu plus simples comme ça hein, donc là je suis parti assez loin dans le dans le mais c'est sincère hein, la, la, le regard ça se travaille tout le temps en réalité moi je dis euh, enfin dans l'étincelle ou n'importe quand si vous me demandez moi photographe c'est comme médecin hein. ça ne s'arrête jamais quoi donc, dans les endroits les plus anodins, qu'on trouve des photos parfois incroyables, si on travaille son regard. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu sur Sergio Larrain, je ne suis pas un grand expert de Sergio Larrain, mais pourquoi pas, je vous dirai, par rapport à ce que je sais, euh, mais ou sur ces exercices, ou sur ce que vous voulez sur, euh, sur moi, enfin voilà, vraiment, c'est le moment. Comme il y a un petit décalage, je vous laisse le temps de penser à des questions, de noter vos questions. Avec le décalage, le temps que vous l'écriviez, moi, ça va arriver dans les commentaires avec 30 secondes de. Donc je vais boire un petit verre d'eau et puis on va passer à ces questions-réponses. Et puis, et surtout, je vais aller chercher le bon lien pour, euh, euh, pour la lecture du portfolio que je ferai ensuite. Voilà, ça, c'est une bonne idée de faire ça. je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ce lien je te perçois que c'était là non, ah bah ben non mais non c'est pas là euh, non c'est pas là que je l'ai mis euh, d'accord donc je sais où c'est ça vous laisse le temps de, de me poser des questions si vous voulez' ça, ça m'aurait bien je sais où c'est Ok, super. Eh ben, je, je ne l'ai pas noté alors. C'est ça que ça veut dire oh, J'étais persuadé de l'avoir noté. C'était en commentaire la dernière fois. Si vous êtes là en direct, c'était une... Eh ben, je ne me souviens plus. Eh ben, donc, euh, lecture de portfolio, ça va être quelqu'un qui est en train de regarder. La personne qui a partagé un lien vers son compte Instagram la dernière fois, je, je te prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. J'étais persuadé de l'avoir noté. Et donc, je ne l'ai pas noté. Vraiment, je, je, je vais aller vérifier quoi. sur un autre lien. Donc voilà, mettez en commentaire votre compte Instagram ou euh, lecture de, de votre site internet ou ce que vous voulez. Je dis lecture de portfolio, c'est pas forcément un portfolio. Hein. Je, je regarde une série de photos. c'est votre compte Instagram, bah, les, les 10 ou 15 premières qui apparaissent. Et on parle de vos photos, de ce que ça me dit. Après, hein, ça n'engage que moi. Hein. C'est vraiment une lecture sans euh, intention particulière, sans contexte, assez. Euh... C'est quoi Alors, ZetaPix sur YouTube. C'est quoi vos inspirations, livres photos du moment Alors, c'est pour Gennaro et pour le chat. Tu as dit que tu le noterais après Ben, raté. Mais je suis persuadé d'avoir fait le copier-coller, quoi. Mais où c'est ça le truc Donc, ZetaPix pour euh, mes inspirations en ce moment. Bah, C'est-à-dire qu'en ce moment, je, je suis, euh, en fait, la, la, la préparation de, ces, de la petite fabrique de photographie, je, je passe beaucoup de temps sur les photographes que je, que je vous présente. Donc, euh, pour trouver leurs citations que je trouve intéressantes, que je peux commenter, avec des éléments que moi je trouve intéressants. Hein, donc, je passe vraiment beaucoup de temps. Et donc là, en ce moment, je suis très, très inspiré par la prochaine photographe que je vais vous présenter la semaine prochaine, Olivia Arthur. Euh, voilà, mais... Euh, cest j'ai vraiment quelque chose avec Alex Webb depuis de nombreuses années, mais je, je sens que je suis en train de m'en écarter un petit peu euh, parce que le, 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 le projet sur lequel je travaille pour mon prochain livre... J'en suis loin, mais bon, j'ai le projet en tête. Euh, je suis de plus en plus dans le portrait. Donc, euh, c'est donc vrai que Gary Vinogrant, aujourd'hui, est une inspiration plus grande que, euh, que Alex Webb. Voilà. Après, euh, je. je... Euh... Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de livres photos. Je vais, je vais être sincère avec toi, Zetapix. Hein, C'est pas bien. Je devrais en avoir un par semaine qui arrive chez moi. Mais bon, voilà. le, le, le temps me manque. Je me suis mis à regarder des livres photos. Je vais à la FNAC et je regarde ce qui m'inspire. J'ai commandé un livre sur des photos d'objets des photographes les plus reconnus. C'est très bien ça, Michael. Je t'invite à, à regarder le blog de Le photographe minimaliste beaucoup de livres photo et qui euh... Christine toujours je bouffe du gruyère gruyère à fond depuis trois semaines ah ouais mais c'est fabuleux Harry gruyère je crois te l'avoir soufflé Christine je pense pas dire de bêtises parce qu'on travaille avec, avec Christine aussi euh, en mentorat un petit livre Marie Zovolt. How Much Silence Can You Take qui m'a beaucoup inspiré Camille sur YouTube Quiopé euh, sur Youtube, mais je sais que qui s'appelle Camille. Eh bien, merci Camille pour cette, ce partage, je suis très curieux, j'aime beaucoup ce titre. Mais je ne connaissais pas cette photographe. Je sais que Camille a une euh, grande culture de la photographie. Ah, C'est bien ce petit partage de livres et d'inspiration. Super, merci pour cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres il n'y en a pas d'autre. Bon, si vous n'avez pas plus de questions, je n'ai pas compris le nom du blog. Le photographe minimaliste. Cherche ça sur Google. Tu vas trouver un blog qui parle de photographie et qui fait, qui fait des, des longues analyses de grands photographes ou de photographes contemporains. Euh, c'est Antoine, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Bah, ce blog est extraordinaire et c'est aussi quelqu'un de, 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 de très sympathique, un excellent photographe. Et, euh, voilà, je ne je, je, je peux pas le considérer comme un ami parce qu'on ne se connaît pas depuis longtemps et on ne se voit pas assez. Euh, mais euh, c est, c est, euh, voilà, c en plus, c'est profondément euh, quelqu'un de de bon. Je n'ai pas envie de dire gentil parce que c'est parfois dit de, de, de manière péjorative. Mais c'est ouais, une belle personne, c'est une bonne personne. Euh, Antoine, et donc je, je, je vous invite vraiment, et il a une très belle écriture, après il y a des gens qui, ont, tout le monde n'est pas candidat, c'est comme pour mes lives, hein, c'est pas fait pour tout le monde, mais ce sont des articles qui sont, il va très en profondeur, voilà. et c'est passionnant, en tout cas sur les photographes euh, qui t'intéressent, ce sont vraiment des, des analyses très approfondies, merci pour le lien, il y a le lien sur Facebook, je pense que Camille le fera également sur, sur Youtube, ben voilà, Camille qui le fait également sur YouTube. Et sur Facebook, j'imagine. Euh... Merci pour vos réponses, Camille. Tu nous as montré ce livre sur Discord qui a l'air incroyable. Ouais, je ne suis pas sur Discord. Je n'ai pas créé de Discord. Pour l'instant. Moi, je suis. J'ai suis... commencé sur Facebook. J'ai grandi sur Facebook. Alors, forcément. Tout le monde me dit, c'est mort sur Facebook. Ouais, mais pas pour moi, en fait. C'est ça, le truc. Moi, bah, ça marche bien, Facebook. La plus grosse source de trafic pour mon blog. Pour plein de choses. Donc, euh, voilà. Mais bon, un jour, j'irai sur Discord. Je pense que c'est indispensable, aujourd'hui. Déjà, je suis sur YouTube. Euh, voilà. Et, euh, et ça grandit. Donc, euh, une chose à la fois. Tichy Miroslav, euh, Stéphane Duquesnois, qui parle de d'un photographe ou d'une photographe. Je ne sais pas si Tichy est masculin ou féminin. Je ne connais pas. C'est génial. On a, on a plein de conseils de, 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 euh, de ceux qui regardent la petite fabrique de photographie. J'en suis. Dernier livre acheté, Liam Wong par Jérôme Barbet. Gruyère, web, bah oui, forcément. Hein, ce sont des... Euh... Un photographe euh, que j'ai vu au reste. Ah tiens, je me, je me rends compte que vous voyez également... Euh... Je prends beaucoup trop de temps, hein, mais fin, de toute façon, on va, on va terminer par la lecture du portfolio. Euh, masculin, nous dit Stéphane, pour Tichy. Euh, un photographe euh, qui, que j'ai vu, dont je vais taire le nom, qui revenait de Paris Photo et qui me, qui me disait qu'il en avait marre à Paris Photo, ou que quand on parle de photographie, bah, c'est toujours les mêmes. C'est toujours Gruyère, Web, Ilotervite, c'est vieux de la vieille. Quoi. Alors, je, je, à la fois, je. Il a raison, -à -dire que c'est il faut. Il, il, je veux aussi vous parler de photographes contemporains. C'est pour ça que je vous parlerai de la semaine prochaine de Arthur. Alors je, vous, vous avez vu, j'essaie d'alterner homme-femme déjà, ce que je faisais pas avant. Et, euh, et euh, les Sergio Larin Henri Cartier-Bresson ou autres ou, ou Alex Webb que j'ai fait jusqu'à présent. Alex Webb est, est vivant et contemporain. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais euh, voilà, je, je vais essayer de plus en plus d'aller vers des photographes euh, plus jeunes. On ne va pas se mentir. Hein, euh, la relève. En tout cas, ce, ce que moi, j'espère euh, seront la relève et seront les, les, ceux qui vendront euh, pour des fortunes des photos à Paris photo d'ici quelques années. Peut-être des euh, gens qui regardent, euh, la petite fabrique de photographie, on ne sait pas. Voilà. Hein, je vais passer à cette lecture de portfolio. Est-ce que j'ai retrouvé... Euh, ben, je ne sais plus. Alors, attendez, je, vais, je vais essayer de re rechercher, excusez-moi, à nouveau. Je suis persuadé de l'avoir noté. Hum. Eh ben non. Eh ben non, je l'ai pas noté. J'ai tellement eu envie de le faire que je, je, je crois me souvenir l'avoir fait. C'est fou quand même. voilà ah non, elle est pas là. Elle est pas là, C'était une, une dame. Quelqu'un pour une petite lecture de portfolio et eh, sinon, on, on va terminer là, les amis. Hein. Quelqu'un veut qu'on parle de, de ces photos Et eh, en toute bienveillance. Hein. Partagez votre compte Instagram ou euh, votre site euh, dans les commentaires. YouTube ou euh, et puis on regarde ça. Euh, euh, voilà, ça vous fera quelques abonnés. Et ceux qui regardent. Et puis, euh, puis c'est sympathique hein, de parler de ça. Ce, ce dont je peux vous parler en, en attendant euh, peut-être un, un lien d'un courageux qui, euh, qui se lance, c'est vous parler du programme de mentorat. Euh, J'ai eu pas mal de questions ces, ces dernières semaines ou mois, on va dire, de personnes qui me demandaient, hey, mais le programme de mentorat, euh, ça commence quand Quand est-ce que c'est En fait, je vous explique. Mon programme de mentorat sur six mois... Il y a deux ans et, et, et en 2022, là en, en début d'année, je le faisais du mois de février au mois de juillet avec un groupe de photographes. Hein, C'était des ateliers en groupe où euh, chacun présente différents travaux et travaille en même temps sur un projet commun, la euh, fabrication, l'édition et la publication dans un magazine hein, qui contient les projets des photographes qui font partie du groupe de mentorat. D'accord Ça, c'est pour la partie groupe. Et il y a aussi des entretiens individuels avec, on va dire, euh, deux grandes catégories de personnes. Si j'essaie de faire des typologies, après, il euh, y a toujours des cas particuliers, mais on va dire, soit des photographes qui ont plutôt des vocations professionnelles, soit des photographes qui ont plutôt pour vocation de euh, travailler sur un livre, travailler sur une expo, travailler sur un projet euh, personnel, qui n'a pas forcément vocation à être professionnel, mais... La manière dont je fais travailler les deux, même si ce ne sont pas toujours les mêmes objectifs et toujours les mêmes conseils ou le même accompagnement que je peux donner, la manière dont je leur propose de travailler, c'est de travailler sur un projet personnel, Il soit soit publié dans la presse, projet artistique, ou qui soit en expo ou dans un livre, y compris pour ceux qui euh, ont des vocations professionnelles. Parce que je pense que c'est le meilleur moyen. De progresser professionnellement, c'est de se faire connaître par un projet artistique. Voilà. Ça a marché pour certains euh, dans, le, dans les différents groupes de mentorat, pas pour tout le monde, mais euh, pour quelques-uns. Bon, au moins un euh, ou une euh, par an euh, qui, ont eu, qui ont eu une croissance professionnelle assez notable, on va dire, et une présence euh, euh, sur la photographie artistique. Euh, je pense à Alex Dino, euh, il, y a, il y a deux ans, qui a travaillé avec le musée de Valenciennes qui a travaillé avec l'association de l'artiste JR, euh, qui a eu euh, un projet, euh, qui a été euh, son projet euh, Grimask, qui a été diffusé au journal Le 13 heures. Enfin, ça, ça a décollé dans des proportions totalement hallucinantes. C'est un projet qu'il a développé dans le groupe de mentorat. Et l'année dernière, Géraldine Bordery, qui euh, euh, bah, qui n'était pas pas professionnelle, enfin qui débutait dans la photographie professionnelle il y a maintenant un an. Et en six mois, bah voilà, euh, dans la région de Tours, c'est une photographe qui est euh, accomplie et qui maintenant, euh, je crois pouvoir euh, pas dire trop de bêtises, va être exposée en galerie de manière permanente dans, dans la région où elle est euh, euh, où elle travaille. Et c'est ça aussi qui fait grandir sa photographie professionnelle, et qui lui donne des opportunités professionnelles. Hein, voilà pour les deux grandes catégories de personnes qui travaillent. J'ai décorrélé le travail individuel de ce tra du travail de groupe. Ça veut dire que là, depuis le mois d'août. Il y a des gens avec qui je travaille et qui ont commencé à travailler maintenant en individuel. Donc maintenant, c'est deux entretiens par mois pendant six mois, individuels, avec vos objectifs, avec. Et toujours ce travail de groupe qui se fait de février à juillet, mais uniquement sur la présentation de projets et sur la construction du magazine. D'accord Et l'échange entre photographes, mais une fois par mois de février à juillet. Ça veut dire que là, j'ai commencé à travailler avec des. Euh, des euh, avec différentes personnes qui seront dans le groupe de mentorat euh, en février. Hein, sur ces réunions de groupe, mais j'ai déjà commencé à travailler avec eux de manière individuelle. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Autre fait notable, on va dire, sur ce groupe, de, sur ce groupe ou sur ce travail individuel en, en mentorat, sur ce programme de six mois, moi, j'ai quasiment divisé le prix par deux. Alors, voilà. Je... Si vous voulez euh, en savoir plus, vera.news/slash mentorat. Vera.news, c'est mon site où il y a toutes mes formations, tous mes programmes, mes voyages photos, mes ateliers à Paris, à Lyon, à Marseille. Voilà, donc euh, vera.news/slash mentorat. Vous avez une description du programme de mentorat et euh, tout, tout ce dont ça parle. Si vous êtes curieux, allez-y. Euh, en fait, ça peut commencer dès maintenant. Hein. Je vous en parlerai de plus en plus euh, au fur et à mesure que le mois de février approchera. Hein. Donc euh, là, dans les deux prochains mois, on va dire régulièrement, je vous en parlerai. Et euh, si vous êtes abonné à la newsletter, j'en je, 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 ferai quelques exemplaires spécifiquement dédiés, mais euh, bah, sachez que c'est possible. Je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Merci. Oui, moi. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, oui, moi. Tu réponds peut-être à un commentaire précédent, Olivia Je ne sais pas. Je t'ai mis mon adresse Instagram. C'est toi, Olivia Mais oui, c'était toi. Alors, est-ce que tu l'as remise, Olivia Je t'ai mis mon adresse Instagram. Est-ce que tu peux la remettre, Olivia S'il te plaît. Avec le décalage, j'attends un petit peu. Sinon, j'irai sur Mister Fab Photographie si tu n'es plus là, Olivia. Et je ferai Olivia la, la prochaine fois, en, en m'excusant platement. Alors, je me réponds. Le thème des péchés n'est pas sur ce site. Il faut regarder une journée à la campagne à la place. J'essaie le thème des péchés capitaux. Euh, ok. C'est très bien ça, C'est un thème universel. Alors, Olivia, si je ne vois pas ton compte Instagram sur YouTube ou sur. Euh, enfin sur YouTube, puisque c'est sur YouTube que tu commentes, je vais aller chez Mister Fab. Mr. Fab Photographie. Ah, c'était pas toi la dernière fois, Olivia. Eh bien, Olivia, envoie-moi ton, ton compte Instagram en commentaire de la vidéo ou dans le chat. Et je, je, je ferai attention cette fois-ci à bien le noter pour la prochaine fois. D'accord, Olivia On... Là, je vais sur Mr. Fab Photographie. Je vais vous partager mon écran. Et quelle heure, oui. hein, je prends cinq minutes pour parler des photos de Mister Fab et, euh, et, on, et on va boucler ce, cet épisode. Non, attendez, ça doit être ici, Alors, Mr. Fab. Fabrice Huguet.myportfolio.com Alors ça, ça me dit, quand je vois myportfolio.com, monsieur est abonné à euh, Lightroom. Ou à Adobe Creative Cloud. Hein, voilà. Moi, ça m'indique euh, enfin, un professionnel qui se met avec My Portfolio, je me dis euh, achète-toi un nom de domaine. Donc là, je me dis pas forcément professionnel. Donc, de toute façon, la bio est assez euh, limitée. Euh, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument écrire votre bio. Je, je, dis simple, je, je dis simplement comment je reçois ce compte Instagram. Hein, sans que ce soit bien ni pas bien. Hein. C'est uniquement. Euh, voilà, moi, ça m'indique qu'a priori, Fabrice Huguet euh, n'est pas un photographe professionnel, ce qu'il est peut-être. Hein? Mais euh, voilà. Euh, ensuite, alors, moi, quand je regarde un compte Instagram, euh, bah je regarde les neuf premières photos, on va dire. Hein? Je me suis fait une idée en neuf photos, très souvent. Donc là, euh, on a des verres à un café pas très envie de cliquer je vais pas vous mentir c'est à dire que là euh... je sais pas pourquoi je cliquerai en fait bon on a le moulin rouge ok est ce que c'est une photo euh, qui me fait m'arrêter sur euh, le moulin rouge et fait me dire wow, c'est une photo incroyable du moulin rouge je me dis que c'est une photo euh, convenable du moulin rouge voilà là on a une petite scène de rue qui a l'air sympathique et qui est sympathique bon il y a des petits chevauchements euh, derrière là il y a un monsieur qui est de dos qui prend pas mal de place. Là, je trouve que c'est surtout son sourire qui est intéressant. Mais voilà. J'aurais peut-être recadré un... légèrement différemment. Euh, on l'aime bien ce, ce. Il est sympathique ce monsieur avec un, avec un gros cigare. Euh... Je suis désolé, elle est bien la photo. Mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser. Que la version en horizontale avec le, le reflet ici, elle serait, elle serait peut-être encore plus marrante. Là, le bière liqueur, c'est pas moche, mais dès qu'il y a un truc décrit, on va lire. Hein, quand il y a un personnage, on regarde ce qu'il fait. Quand il y a des textes, s'ils sont lisibles, on les lit. Là, à part nous dire que c'est un bar, on l'avait compris que c'était un bar. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ça vienne ajouter beaucoup, hein, bière liqueur, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Il est bien, il a un joli cocktail, est jeu, il est super stylé, très sympathique. J'arrive pas aussi à m'enlever de la tête que la version à hauteur d'yeux, hein, ça c'est une photo en plongée, ça écrase un peu les personnages. En à hauteur d'yeux, bah ça, ou en, ou en légère contre-plongée, hauteur d'épaule qui en visant les yeux, hein, en visant légèrement, bah ça, ça grandit un peu les personnages. Tu serais plus repéré, euh, Fabrice, en, en faisant ça. Oui, mais je pense que la photo serait un peu meilleure. Hein, c'est pour ça qu'on se met. Euh, un petit peu accroupi parfois, ou qu'on qu s'abaisse hein, aussi. C'est pour se mettre à hauteur des personnages. Je ne suis pas en train de dire que c'est absolument ça qu'il faut faire. Je dis simplement que moi, c'est ce que je reçois sur cette photo. Et que du coup, je me dis que peut-être la photo serait meilleure. Bon, voilà, hein, c'est une lecture de photographe qui, qui, qui éduque beaucoup. Euh, et qui, euh, voilà Mais euh, c'est une bonne photo. Hein. Une bonne photo. Très bonne photo. Un personnage intéressant. Je serais probablement arrêté pour faire des photos avec lui aussi. Voilà, après, on a du métro. Bon, c'est pas une scène que je trouve. Euh, Particulièrement notable, et je trouve la photo un peu sombre. Euh, ici, bon, c'est un monsieur qui lit. Et alors, pff, à ça, il n'y a aucune règle dans ce que je dis. Hein. Je dis simplement, moi, comment je la reçois. Euh, et, euh, pardon, je ne l'ai pas dit. Oh là là, on est en public en plus. Pas trop d'ego dans mes remarques. Hein. Je, je ne fais que. Ça n'est que ce que je pense. Hein. Je dire, y a... moi, euh, voilà. Là, en gros, l'espace négatif c'est pas vraiment l'espace négatif mais c'est le personnage a une position du corps qui va dans une direction hein, et là l'espace négatif il est à droite là où il ne se passe rien on va dire d'accord et il apporte pas beaucoup à la scène c'est quoi la scène la scène c'est le personnage quand il y a un personnage on regarde la scène donc là le personnage c'est lui mais lui il est complètement à gauche et son corps regarde vers la gauche hors cadre ok lui il regarde son journal ok mais vous voyez comment la scène, elle, elle, elle penche à gauche Donc Là, bah, je me dis, bah, euh, ok, mais du coup, tout ce qui se passe à droite, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça ne sert pas à la scène. Donc, du coup, bon, bah, après, je trouve que c'est une scène hein, un peu banale. C'est pas grave d'avoir les scènes banales, mais l'idée, c'est d'en faire une photo qui soit forte, ou qui soit intéressante, ou qui ait quelque chose en plus. Et là, le quelque chose en plus, bah, il est peut-être à gauche. En tout cas, il n'est pas à droite. Pour moi, subjectif. Il hein n'y je, je, a aucune vérité dans ce que je dis. Voilà, donc ça, on fait six. Euh, là, là, moi, en six photos, je n'ai pas une photo où je me dis waouh. Et c'est pas grave. Mais du coup, je me dis monsieur n'est pas professionnel, quand même. Parce que, euh, voilà. Euh, après, il y a des gens qui ne sont pas professionnels et ça fait waouh. Hein, ça arrive. Mais là, euh, bon, après, on passe à de la mouette. C'est très dur à faire, la photo de mouette. Euh, en vol, hein, le bird in flight, là, ça f... non, un, faut du matos et deux, faut de l'expérience. Euh, dans la catégorie bird in flight, je ne suis pas un expert, hein, mais c'est une photo convenable. Je ne suis pas capable de dire, c'est une photo incroyable. Même si je n'en ai pas fait beaucoup de bird in flight, j'en ai vu quelques-unes. Et là, bon, je me dis, c'est quelqu'un qui, qui fait de la photo animalière et c'est bien. Mais euh, voilà, une photo animalière euh, et qui est vraiment dans le genre animalier. Quoi. Et bon, ok. Et là, alors attends, je, je finis les neufs quand même pour vous dire. Ici, bon, bah, le, le, le chien est manifestement intéressant. Il est assis euh, hein, comme si c'était un personnage. Mais derrière, on a quelqu'un qui chevauche, qui va éteindre sa clope. Quand je dis qu'il chevauche, c'est effet de planéité. Hein, C'est-à-dire qu'il n'est il est pas euh, décalé ou dissocié du personnage. Il, il vient se superposer à mon personnage principal, qui est ce chien. Là, moi, je pense que le chien, serait cette posture serait meilleure de face. Ou, je sais pas, avec quelque chose qui se passe, quoi. C'est-à-dire que là, le premier plan et l'arrière-plan ne communiquent pas, dans le sens où il n'y a pas d'interaction. Peut-être que c'est son maître qui est derrière, mais peut-être pas. La photo ne me le dit pas. Hein, J'essaie d'analyser les photos à partir de ce que contient la photo. Je, je, lis, je lis même pas euh, tout version noir et blanc. Qu'y a-t-il au menu j'ai du mal à croire que le, le chien soit vraiment en train de lire le menu. Et je sais que ce menu à gauche, il n'est pas devant lui. Donc, il n'est pas en train de le lire. Parce que je sais que lui, il est devant cette autre table. Après, eh bon, ça, ça peut être rigolo. Hein, C'est rigolo de faire ça. Mais. Ah, et... Enfin, voilà. Voilà. Et là, un monsieur qui filme sa clope. Ah, une posture intéressante. Dommage qu'il y ait qu la bouteille d'eau qui vient se mettre devant lui et son euh, verre de pastis, probablement. Sinon, il y, a, il y avait pas mal de, de bons trucs euh, sur cette photo. Regardez là comment on le regard part à droite, mais il, euh, il y a de la place. Hein. C'est plus agréable de regarder ce, de, ce regard. Hein. Regardez un peu dans le vide, mais ce monsieur a une tête très sympathique, en train de fumer sa clope. Bon, voilà. Et, et j'aime beaucoup ce, ce premier plan. Euh... Ah, je... Ça je trouve ça meilleur. C'est pas une scène euh, qui. Mais c'est une bonne scène du quotidien. Bon, je reviens à la première. Ouais, alors là, euh, comptoir en éteint. Que... Comptoir le Saint-Marcel dans le treizième. Ah, c'est bien, comme ça on sait où c'est. Si on veut aller refaire cette photo. Pardon, hein, Fabrice, mais. La chaise prend trop de place à droite. Je ne sais pas de quelle chaîne tu prends. Tu... Ah, sur la dernière photo Oh, ça ne me gêne pas, moi. Bon, après, là... Enfin, tout ce que j'ai dit est, est très subjectif. Hein. Merci beaucoup Fabrice. Eh, C'est pas facile. Hein. Et puis, je ne je, 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 je... Eh, je prends pas de pincettes. Hein. Enfin, voilà, je, je vous dis les choses vraiment comme je les pense. Mais, euh... Mais merci en tout cas. C'est euh, voilà, intéressant de, de, de voir ça. Est-ce que je vois une photo où... qu'il faut absolument que je vous montre dans les photos derrière. Voilà, comme ça, en passant vite. Merci beaucoup, Fabrice. Et voilà, c'était la fin. Tu vas m'incendier dans les commentaires, Fabrice. J'ai été méchant. J'espère pas. J'espère que tu ne le prends pas comme ça, en tout cas. Euh, merci. Il savait que je le prenais en photo. Mais alors, c'est pas grave du tout, ça. Hein. C'est-à-dire que c'est en fait... Le fait qu'il sache ou qu'il ne sache pas... C'est pas important. Il y a des photos où on, où on voit qu'on sait qu'il te prend en photo et c'est pas grave. Il y a des photos où on voit, mais ça, ça rend moins bien. Voilà. Donc, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la photo. Merci beaucoup, ça va m'aider. J'en suis ravi. C'est tout ce que je te souhaite, Fabrice. Objectif. Je, alors, on n'est jamais objectif, hein, mais j'ai essayé de l'être. Après, sur le genre que tu, que tu proposes là, euh, on va dire, il y a beaucoup de photographies de rue dans ce que tu proposes. Bon, j'ai ma petite expertise. Après, j'ai plein de choses à apprendre et je suis pas le meilleur au monde, hein, mais, euh, mais bon, j'ai ma petite expérience quand hein, même en photo de rue. Et je pense que, ouais, il y a un peu de boulot quand même, mais euh, c'est plus sur euh, sur l'analyse et la sélection de photos parce que tu es un photographe, euh, c'est prendre des photos. Donc là, c'est plus dans l'analyse et reconnaître qu'une photo n'est pas assez bonne pour être publiée. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'une photo est assez bonne pour être publiée Là, bah, on peut en faire deux heures là-dessus. Hein. Donc, euh, j'en fais deux heures là-dessus, d'ailleurs, parfois. <laughs> Mais, euh, voilà. Sur ah, vrai, si j'ai une vidéo sur YouTube qui parle de ça. Qu'est-ce qu'une bonne photo Est-ce que c'est une photo intuitive ou est-ce que c'est analytique On parle de, 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 de l'analytique une vidéo que j'avais faite à New York et quasiment personne n'a vue. Si vous allez fouiller sur, sur YouTube, euh, ça parle de ça. Peut-être que ça t'aidera. Je te le souhaite. Euh, manque peut-être un peu de cohérence dans ton groupe de photos sur Insta. Alors, on est, je suis d'accord avec toi, Mickaël. On n'est pas obligé de l'avoir de la cohérence. Mais quand on en a et qu'on a des photos un peu top-niveau, top-niveau plus cohérence, bah, ça donne un effet. Ouf. Donc ouais, la cohérence, c'est un, un bon moyen d'élever le niveau de perception de sa photographie. Le travail que je fais en individuel ou en groupe, hein, c'est de, de, de vous dire de publier moins et mieux, faites les mêmes photos, mais publiez moins et mieux, et vous verrez qu'avec les mêmes photos, vous allez donner une perception de votre travail qui sera nettement meilleure. Donc publiez moins, mais uniquement le, votre meilleur travail. Et oui, en ayant de la cohérence soit sur la pratique, soit sur les sujets. Là, on est quand même sur un univers photo de rue, en tout cas sur les dernières photos. Moi, c'est là que je vous vois de la cohérence. Après, la biographie peut orienter et dire, ben bah non, je fais plutôt ça ici ou ça. Et là, on se dit, ah ben bah oui, mais là, la photo de rue, c'est exceptionnel. Et du coup, on va regarder un petit peu plus bas aussi. Mais là, la biographie, je n'ai pas l'élément, Donc, moi, je me raccroche à ce que je vois. Euh, voilà, les amis. C'était... C'était le cinquième épisode de la petite fabrique de photographie. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de Serge Larin, on a parlé d'exercices de, de photographie. Je ne sais pas si vous êtes encore assez nombreux à regarder ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Vous avez plein d'autres vidéos sur YouTube. Euh... Venez, on parle mentorat. Et si vous avez des questions sur le mentorat, on s'appelle pour en parler. Si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr un quart d'heure, 20 minutes et, je, et je, vous, je vous explique comment ça se passe. Très bien, hein, en général, mais euh, voilà. Si vous voulez faire l'étincelle, venez. Si vous voulez venir à Marseille ou à Lyon sur des ateliers de photographie que j'ai fait euh, il y a 10 jours maintenant euh, à Paris, ce sont les mêmes ateliers qu'à Paris. Hein. J'ai une version de l'atelier à Londres où je ne fais qu'une seule demi-journée en, en salle. L'atelier à Paris ou à Marseille ou à Lyon, c'est deux demi-journées la matinée en salle. Où on parle de pensée visuelle, on fait des exercices, c'est assez intense. Hein, pour ceux qui ont participé, euh, si vous êtes là, <laughs> les commentaires, vous pouvez dire hein, il se passe des choses. Mais euh, je, crois, je crois que ça s'est vraiment bien passé il y a dix jours. Euh, vraiment, tout le monde m'a dit qu'ils avaient progressé. Après, il euh, y a peut-être des gens qui m'ont dit, et peut-être que dans mon questionnaire euh, anonyme, j'ai des gens qui vont m'incendier. Euh, c'est possible, je n'ai pas, pas encore regardé euh, les réponses au questionnaire. Mais euh, bon, en tout cas, euh, sur place, euh, vraiment. Euh, c'est de faire attention à ce que tout le monde progresse sur deux jours. Donc, c'est assez intense. Mais bon, il se passe plein de choses. Hein. Donc, euh... Merci beaucoup, Marie. Merci pour vos remerciements. Je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup de travail de faire tout ça. Et euh, j'espère vraiment que ça vous plaît. Merci, Jacques. Super épisode. Merci, Camille. Les conseils mêlés à la culture photo, c'est le meilleur. J'essaye. J'essaye à ma manière. Ok, merci, 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 merci. Sur, sur YouTube, il y a toujours un petit décalage plus grand sur YouTube. Je m'attends à voir les commentaires dans quelques instants. Fab, tu peux faire deux comptes Mon compte Insta est un peu fourre-tout. J'ai commencé il y a peu de temps la photo de rue. Ben oui, mais pour tout le monde, hein, les, les, euh, les comptes Insta, c'est un peu fourre-tout. Moi aussi, c'est un peu fourre-tout. C'est quoi ça commence à regarder des vieux trucs J'ai honte, hein Merci, Jocelyne, pour la découverte de ce photographe et pour le reste. Tu ne connaissais pas Sergio Larin, Jocelyne Tu pas fait l'étincelle en 2020, Jocelyne ah, Tu n'avais pas regardé les vidéos, alors hein, Parce que je parlais de Sergio Larin. Bien cool, ce petit rendez-vous YouTube. J'essaye. Rendez-vous la semaine prochaine. Toujours à 20h, parce qu'il n'y a pas d'heure d'hiver à... à Salvador. Au mois de mars, on passera à 21h, mais pour l'hiver, on sera à 20h. J'ai ma fille qui est en train de hurler. Merci, Lagartacro. Je ne sais plus si j'ai déjà vu ce nom sur, euh, sur, sur Facebook. Il n'y a aucune hésitation pour être avec Génaro. Il nous ouvre les yeux. J'essaie de vous, de, de vous ouvrir les esprits surtout, mais euh, merci Marie pour ces commentaires. Mauvaise mémoire. Oh. Non. Non, je ne peux pas croire. Jocelyne, tu as une excellente mémoire. Ça va te revenir. Mais en plus, je ne suis même pas sûre. Maintenant, maintenant que tu me le dis... Ça se trouve, j'ai parlé de Serge Larin à un autre, dans un épisode de petite photographie et pas dans l'étincelle. Donc, euh, voilà. C'est probablement moi. Hein. Je, je, je dis mes, mes trucs comme ça, mais. Merci Nicolas, merci de ta fidélité. Très bonne soirée à tous. Et à la semaine prochaine, mercredi 20h, pour le sixième épisode de la petite fabrique de photographie. Eh hey Alors, hey, c'est la seule fois, hein, mais je vais vous montrer une troisième fois mon générique pour ceux qui sont arrivés. Euh... Hein Il n'y a pas de raison. Allez ça fera générique de fin. Comment je fais Merci Québec, c'est moi qui remercie le Québec d'être là, ça fait plaisir. Partage-le avec tes amis photographes québécois, n'y a pas de raison. Et cette fois c'est la bonne. Je vous dis au revoir les amis, à la semaine prochaine.